Hey, bien, salut tout le monde, c'est Captain Kebab et aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, la suite de la carrière manager avec le FC Barcelone. Si tu kiffes cette carrière, n'hésite pas à lâcher le petit pouce bleu, l'abonnement. Aujourd'hui, on est parti pour un très bel épisode. On va jouer l'Atlético Madrid, Valence, le Dynamo Kiev et si on échoue le Real Madrid, c'est pour moi l'épisode le plus important parce que on est sur un mois de septembre, coup-ci, coup-ça, tu gagnes face au Bayern. Mais en même temps tu perds face à Séville, tu perds face à Levante, c'est compliqué, on n'arrive pas à réellement enchaîner, et c'est un petit peu notre problème sur ce début de saison avec le Barça, enchaîner les bonnes perfs. Là nous on est 7ème avec 12 points, c'est pas catastrophique mais c'est pas fou non plus, on est qu'à 3 points de la première place parce que la Real Sociedad ne fait pas non plus un début de saison fou, mais on pourrait aspirer à mieux au vu de notre équipe. Et ça, c'est vrai que c'est un petit peu frustrant. On a un premier gros match, un gros choc face à l'Atlético Madrid. On a une équipe qui est un petit peu fatiguée, mais ça reste assez superficiel. On va y aller, nous, avec le 11 que vous connaissez. Et on espère que ça va faire le taf. Ah non, il y a ce bug. Oh, ça, c'est chiant. Ça, ce bug-là, quand on a un carton rouge dans les remplaçants, on peut pas le changer. Là, comme vous l'avez vu, ça, c'est énervant. Hein. C'est énervant. Mais on va y aller comme ça. On a quand même du beau monde sur le terrain. Il nous faut la victoire. Je vous le dis aujourd'hui, il nous faut la victoire pour au moins se relancer. Et bien écoutez les amis, on se retrouve directement au Wanda Metropolitano. Et c'est parti les amis pour cette rencontre entre l'Atlético Madrid et le FC Barcelone. De notre côté, on est parti pour cette rencontre. On espère vraiment, mais écoutez, un match solide. De notre côté, on s'est écroulé lors du dernier match face à Benfica où on fait 4-4. Clairement, c'était le match où on devait prendre 3 points pour nous assurer quelque chose parce qu'on avait gagné face au Bayern qui pour moi était le match le plus difficile. Au final, on prend pas, on prend moins de points face au Benfica que face au Bayern. Donc c'est que ça c'est un petit peu embêtant. Mais bon, c'est comme ça. On prend quand même des points en Ligue des Champions. On a quand même 4 points en 2 rencontres. C'est quand même plutôt correct. Maintenant, à voir comment ça va. Comment ça va se dérouler pour la suite. Mais on espère évidemment faire mieux. Encore pour la suite et la récupération pour le FC Barcelone. Et Gaïa c'est bien fait, De Jong, Caissier. Ouais c'est bon, on s'en sort bien avec Pedri. Et on remonte le ballon là côté Blaugrana. Le ballon là pour Gaïa. Le ballon pour Ousmane Dembélé. La talonnade elle est bonne. Aubameyang et l'ouverture du score pour le FC Barcelone. 8 minutes de jeu, première action. Première action, ah, magnifique. L'action est magnifique. C'était un A de Dembélé, parfait, et la frappe l'est aussi. Magnifique action. Et on mène très vite 1-0. C'est de l'efficacité à l'état pur. Là, de notre côté, efficacité à l'état pur. J'espère que ça va continuer comme ça. Mais en cas aujourd'hui de victoire, c'est vrai que à sortir de belles copies. Le ballon là pour Aubameyang. Allez, Aubameyang, Pierre-Emerick Aubameyang. Il faut s'appliquer sur la frappe. Et le deuxième but, le doublé pour le Gabonais. Au bout de 13 minutes de jeu. Ouais, là, le contre est clair, le contre est clair. Il y a des joueurs rapides, ils sont hauts. Et ben ça fait très très vite 2-0. 5 minutes de jeu auront suffi pour marquer. Enfin, 5, ouais, un doublé en 5 minutes. Je voulais dire plutôt, je me suis embrouillé, je me suis emmêlé les pinceaux. Mais que dire à part que pour l'instant, ça se déroule très très bien. Après, voilà, ça peut vite tourner. On le sait dans le début de saison, mais... pour l'instant, le début de match est très très bon de notre côté. Le dégagement est bon. Et le ballon là pour Mazraoui. Le ballon là pour Pierre-Emerick Aubameyang. Il est bon ce ballon. Aubameyang. Et le triplé pour Pierre-Emerick Aubameyang à la demi-heure de jeu. Ouais, 3 ballons dans la profondeur. Et enfin non, 2 ballons dans la profondeur. Et Aubameyang qui... il est bon devant les buts. Il le prouve encore une fois. Et l'Atlético Madrid qui prend l'eau dans cette rencontre. C'est fou, hein. Le Barça est capable du meilleur comme du pire. Une défaite face à Levante. On va faire attention. Faire attention à la sortie. Et ensuite là, pour l'instant, on a encore le 3 à l'Atlético Madrid qui réalise un bon début de saison. Donc c'est assez fou de se dire que t'es capable de perdre face à Levante. Allez, Caissier. Et Caissier, il va frapper. Et c'est dans les Gagnano Black. Et c'est la mi-temps. On mène 3-0. Bon là, j'ai pas peur de le dire, à 3-0 à la mi-temps. Je pense quand même que on n'est pas trop mal.
qu'on devrait s'imposer. On n'a que 1,3 chance de but, hein. C'est fou. Mais on a été hyper réaliste devant les cages. Ouais, non, on a été réaliste. On a été réaliste, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. Maintenant, on vole pas non plus le fait qu'on mène à la mi-temps. On a été bien meilleur dans nos offensives que cette équipe de l'Atlético Madrid. Ils n'ont pas été très dangereux. Donc, non, moi, ça me choque pas de nous voir devant. Et le ballon là pour Ferran Torres, c'est le quatrième pour le Barça. 47e minute de jeu. Ah là, ça commence à piquer. Et le ballon est très bien donné. Vraiment, il n'y a rien à dire. Et Pierre-Emerick Aubameyang, c'est le match parfait pour lui. Triplé, une passe décisive. Et ça fait 4-0. Et ça fait 4-0. Allez, Ousmane Dembélé. Eh non, dommage. Ferran Torres, premier but en 5 matchs. Ouais, peut-être ça peut lancer des joueurs ou quoi, on espère. Oula, le ballon pour Lemar, la frappe! Et la parade de Ter Stegen. Rien ne veut rentrer aujourd'hui. Et l'Atlético Madrid qui pousse dans cette seconde mi-temps, mais qui n'y arrive pas. Hein. Oh non, ouh, on a failli marquer contre notre camp, là. On a failli marquer contre notre camp. Il y a Gavi, le ballon, et ben voilà. But pour l'Atlético Madrid, ça fait 4-1. Plutôt mérité quand même, ce but. Matheus Cunha, 66e, et ben voilà, ça fait 4-1. Je disais qu'il fallait le marquer, enfin qu'il fallait au moins marquer 3 pour être à l'abri. 2, c'était trop juste. Parce que regardez, ben voilà, non, c'est le poteau, position de hors-jeu en plus. Mais le match qui s'emballe vite. Et ouais, d'un autre côté, on est un petit peu moins bien là depuis quelques minutes. Ouais, heureusement qu'on a des buts d'avance parce que là, l'Atlético Madrid ne rigole pas et on le sent. Les Gaïa, Ansu Fati, la perte de balle. Et le contre qui s'amorce pour les joueurs de l'Atlético Madrid. Allez, José Gaïa. Il faut être vigilant, le ballon. Bah voilà, le deuxième but pour l'Atlético Madrid. Allez, il va falloir veiller derrière parce que là, ça commence à piquer. Et ouais, là, on sent qu'il y a moins de maîtrise dans notre jeu. Et ils en ont marqué deux coups sur coup. Il va falloir faire attention parce que là, le troisième, et ça joue bien quand même. Hein. Côté l'Atlético Madrid, il faut une deuxième mi-temps où vraiment. Et en vrai, c'est quasiment du 50-50 sur le match entier parce que. Ah, ils font une grosse deuxième mi-temps. Bon, après, dommage qu'il y ait cette erreur et qu'ils se prennent ce but pour eux. Oh là là, c'est sauvé parfaitement. Est-ce qu'ils vont la laisser la dernière? Eh oui, ils vont la laisser la dernière. Ils vont la laisser. Avec Ousmane Dembélé, le centre. La reprise et le cinquième but pour le FC Barcelone. Et c'est signé Ansu Fati contre le cours du jeu, clairement. Ouais, ça fait 5-2 et là, Ansu Fati, bon, il est rentré, il est frais, il fait le bon geste, ça fait 5-2. Et que dire, que dire? Ansu Fati qui n'est pas une bonne première, enfin une bonne mi-temps en plus, mais ça fait 5-2 victoire, on prend 3 points. Ah, c'est fou, c'est fou. En vrai, ils ont plus frappé que nous, en termes de chances de but, ils sont devant nous. Non, match compliqué, match très compliqué pour eux en soi parce qu'ils méritent mieux. Nous, bon, on a 10 pour Aubameyang, c'est le triplé. Voilà, le triplé. 3 passes décisives pour Dembélé. Non, gros match dans tous les domaines pour nous au final. Beaucoup de réussite. Mais on va pas s'en plaindre. On revient sur une petite série, un nul, une victoire. Maintenant, il va falloir enchaîner. Hein. Si on arrive à enchaîner dans ce beau mois d'octobre, ça serait parfait. Aubameyang, bon là, Aubameyang, ouais, le triplé. Ouais, grosse saison en perspective, je pense, pour Pierre-Emerick, pour Aubame. J'espère qu'il va faire le taf. Merci, ce sera tout pour moi. Ok, nickel. Et on revient à la troisième place quand même. On revient à la troisième place. Ce qui en soi n'est pas mauvais. Loin d'être mauvais cette troisième place. Un petit point du Real Madrid qui est premier. Qu'on affrontera bientôt. Bon après ouais, il faut se dire que c'est très serré. Mais on est quand même au point de la première place. C'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Bah écoutez les amis, ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve pour. Alors je pense qu'on va pas faire le Dynamo Kiev ensemble, mais on va faire le match face à Valence ensemble et ensuite je ferai le match face au Dynamo Kiev en off. Ben écoutez, on se retrouve directement pour le match face à Valence. Bon les amis, on est juste avant ce match face à Valence. Ben écoutez, on va y aller.
On est quand même sous une belle paire face à l'Atlético Madrid. Comme quoi, on est capable du meilleur comme du pire. Match face à Valence. Je vous le dis là, on y va avec la même équipe. La même équipe. Je pense qu'on peut faire une nouvelle fois un beau résultat. Écoutez, on se retrouve directement sur le terrain. On est à domicile au Camp Nou. Et c'est parti les amis pour cette rencontre entre le FC Barcelone et Valence, je vous le dis. J'espère clairement qu'on va sortir une masterclass et une nouvelle fois prendre des points. Une équipe de Valence qui a de très très bons joueurs. Ça va pas être une formalité aujourd'hui d'aller prendre des points. Mais bon, là on a réussi à le faire face à l'Atlético Madrid sur 90 minutes. Je pense qu'on peut essayer de récidiver aujourd'hui. Sachant qu'il y a un match de Ligue des Champions dans pas longtemps. Je préfère faire jouer l'équipe 1 là aujourd'hui. Ça me semble. En vrai, j'ai pas fait gaffe. En vrai de vrai. Mais ouais, je pense qu'on pourra prendre des points en Ligue des Champions face au Dynamo Kiev. C'est une belle équipe. Mais ça va. On a quand même du monde sur le banc qui peut faire le travail. Puis même là, au pire, on fera un petit peu de rotation. Je pense que ça peut être pas mal. Allez, Poido, et c'est trop long. Mais en championnat, faut qu'on prenne des points, sinon on va vite être large game. Et ça joue bien du côté de Valence, ça joue bien. Il y a Rojo, le tacle, où il est passé Gomez, et ça passe à côté. Ah oui, José Gaya, l'ancien de Valence. Mais ouais, là, Rojo, il s'est craqué sur le tacle. C'est pas passé loin, mais on a failli assister à l'ouverture du score, là. On a failli assister à l'ouverture du score. Allez, Ousmane Dembélé. Et le ballon, oh, il est bon, il est très bon ce ballon-là pour Aubameyang. La reprise. Et la parade. Ouais, c'est hallucinant. La tête est au-dessus. 36e, mais ouais, c'est compliqué. Et il y a une faute. Faute sur Gaïa. Allez, ça joue vite. Non, pas de faute cette fois-ci. Et Valence qui a un peu plus la main sur le ballon. Oh, blessure. Oh non, Ferran Torres. Mais pour moi, s'il y avait une faute. Ah, ça va être Memphis Depay qui va rentrer. Ah non, là c'est compliqué, on perd Ferran Torres sur blessure. Ouais, mais pour moi il y a une faute hein, sur cet accrochage. Ouais, il a même plus le ballon, pour moi c'est mon carton. Allez Mazraoui, Lato, et il y a Rojo qui va venir fermer. C'est bien joué là, la récupération. Allez Aubameyang, et le ballon il est bien donné là pour eux. Memphis Depay, la frappe et la parade sur le Sun. Oh dommage, là à la rigueur on aurait pu bien s'en sortir. Allez Frankie de Jong, et c'est dans les gants de Silesen. Mi-temps 0-0, match compliqué, on a fait pas mal d'erreurs derrière qui auraient pu nous coûter des buts. Maintenant on a quand même eu des occasions devant. Si on est un peu plus sérieux, je pense qu'on peut le faire. Voilà, 3 chances de but pour nous contre 2,5. C'est un match serré. Mais je pense qu'on a quand même ce petit ascendant. Maintenant, il va falloir être plus sérieux, je pense, derrière. Se faire un petit peu moins peur et surtout devant, être plus réaliste. Après, pour notre défense, derrière pour eux, excusez-moi, ils ont quand même un très bon gardien qui sort de très belles parades depuis le début. Donc, c'est sûr que ça y est pas pour rien. Maintenant, voilà, nous de... D'avoir des occasions où ils ne peuvent rien faire. Et Ter Stegen qui monte un petit peu. Ouais, ça c'était la pire passe, la pire idée. Comment ça se fait qu'on perd le ballon alors que on a je ne sais combien de joueurs dans la zone. Oh là là, c'est stoppé. Allez, le ballon là pour Ousmane Dembélé. C'est bien fait, la tête. Et oui, l'ouverture du score pour le FC Barcelone. Et c'est signé Memphis Depay. Et ben ouais, ça fait 1-0, belle action, et c'est Ousmane Dembélé qui va distiller ce bon centre. En vrai, c'est plutôt mérité dans cette rencontre où il y a peu d'occases quand même, qu'on se le dise. Enfin non, dans cette seconde mi-temps, où c'est un petit peu plus calme, mais ouais, il y avait trop de déchets devant. Là maintenant, on est un petit peu mieux, peut-être qu'il va y avoir plus d'espace dans leur défense. Et qui dit plus d'espace dit que à nous de notre côté ça nous arrange. Donc à voir comment ça va se dérouler. Oh le ballon. Oh là là magnifique. Mais ça passe à ça. On passe à ça du deuxième but. Allez Mazraoui. Allez faut tenir. Marcos André. Aïe, il est passé. Et la parade magistrale de Ter Stegen. Ter Stegen pour moi c'est un des meilleurs dans notre équipe hein. Il sort un match exceptionnel. Ouais, c'est fou de sortir un match comme ça. Allez, Traoré. Oh, le ballon, il est bien donné là pour Aubameyang. Il est bien donné là, ce ballon là pour Traoré.
Traoré! Oh la parade, elle est parfaite celle-ci aussi, de scène moins impressionnante que celle de Ter Stegen à peine, mais tout aussi efficace. Et c'est la fin! Victoire 1-0 face à Valence, j'étais concentré, on prend 3 points. Bon, dans la douleur, cela de points, mais en soi, c'est une belle perf. 61% de possession, on a su instaurer notre jeu, et la seconde mi-temps de Valence n'est pas bonne du tout. Notre côté, en termes de notes, pour moi, ouais, Ter Stegen est l'homme du match, ça me semble logique. Il a fait un match exceptionnel de notre côté. Le Real qui fait le nul, et peut-être qu'on ouais, on est premier, je sais pas. Mais en tout cas, je vous le dis, là, c'est ouais, un bel enchaînement, gagné face à l'Atlético Madrid et face à Valence. C'est quand même une belle perf. Maintenant, on a un match de Ligue des Champions. Ferran Torres, c'est 7 mois. Oh, 7 mois pour Ferran Torres. Là, c'est compliqué. Bon, on l'a plus en fait. On l'a plus jusqu'à la fin de saison. Ouais, donc bon. C'est un peu compliqué ça. Je sais pas comment on va faire. C'est le ligament. Ouais, ligament croisé intérieur. Bah, chaud. Chaud. Je sais pas comment on va gérer. Notre côté, on est premier en Ligue des Champions, mais il faut gagner face au Dynamo Kiev. Faut le gagner absolument ce match. Et en Liga, on est deuxième. On est égalité avec la Real Sociedad, du coup. Bah là, c'est avec la confrontation directe qu'on est deuxième, du coup. Mais non, on est la meilleure attaque. Bon, la défense, c'est pas ça. Mais ouais, en vrai, les équipes, elles se prennent beaucoup de buts, hein, je trouve. Mais exceptionnel, exceptionnel. La meilleure défense, c'est le Real. Hein. 5 buts encaissés. Mais écoutez, nous, on a ce match face au Dynamo Kiev, on se retrouve pour le résumé, sachant qu'il va y avoir de la rotation parce que y a une équipe un petit peu fatiguée. On se retrouve les amis pour le résumé et on espère quand même qu'on va sortir un gros match. Bon les amis, fin du match face au Dynamo Kiev, victoire 1-0. Non, on a vraiment fait tourner. 1-0 et s'en sort très très bien. Mais on prend les 3 points, c'est le plus important dans ce match. Grosse action de Depay dès le début. 25e, enfin 20e, excusez-moi, c'est but de Depay. Depay il a atomisé les cages. Hein. Je vous le dis, il a atomisé les cages. Même s'il fait pas un match fou Depay, il fait au moins ça. Et ensuite, bah que des arrêts de Boyko. Boyko il a fait un match fou. Vraiment, vraiment. Vous voyez toutes les actions là, de toute façon à l'écran. J'ai pas toutes les commentées, mais voilà, il sort des parades. Laisser tomber Gavi aussi, il a manqué 2-3 petits trucs. Notamment sur cette action là, je pensais vraiment qu'on aurait pu marquer, mais non, ça passe à côté. Bon, Ter Stegen, il n'y a eu pas beaucoup de travail, qu'on se le dise. Bon, après, celle-ci, fallait la sortir. Mais bien joué de sa part. Ensuite, ouais, c'était soit des banquets de notre part ou des gros arrêts. Comment vous dire que un petit peu dégoûté. Un petit peu dégoûté de gagner que 1-0. Mais le plus important, qu'on se dise, c'était les 3 points. Et on s'en sort bien. La dépaille et cette passe était magnifique. Hein. Était magnifique, je sais pas comment il fait pour la rater. Et la 69e, Arrêt de Boyko sur ce centre, très bon. Et la tête à bout portant. Ouais, 4 tirs à 15. Gros match de notre part, vraiment. Le Bayern qui gagne, je disais, dans tous les cas, fallait prendre les points face aux autres équipes. On fait un petit accrochage face au Benfica. Va falloir gagner le match retour. Mais on est quasiment sûr d'être qualifié maintenant pour les huitièmes de finale, avec ces bonnes perfs dans ces phases allées, on va dire, de poule, pas de défaite, dont une victoire face au Bayern. Voilà, on est pas mal, on est pas mal. On va quand même aller voir le classement. Le Real, on le fera dans le prochain épisode. Non, mais 3 victoires d'affilée. Voilà, j'ai pas envie de casser la dynamique. Ligue des Champions. On est premier avec un petit point d'avance, avec 7 points. Ouais, on pourrait être premier dans certaines poules, mais là, bon, on est premier, mais on n'a pas d'avance. Non, on va y aller comme ça. Après, en plus, le Bayern, ça sera notre avant-dernier match. Ouais, mais on est quasiment sûr. Il suffit qu'on gagne face à Benfica et Dynamo Kiev et voilà, c'est tranquille ou bidou qu'on se le dise. Non, c'est une bonne nouvelle, c'est une bonne nouvelle. On va faire un petit bilan d'équipe avant de se quitter. Déjà, l'équipe, bon, est en pleine forme, c'est normal, on est sur de bonnes stats. Mais on est sur du 9 buts pour Aubameyang en 9 rencontres, 4 pour Pedri, 4 pour Depay, 3 pour De Jong et 2 pour Dembélé. Au niveau des passes décisives, 9 pour Ousmane Dembélé, c'est le meilleur. 5 pour Aubameyang et 3 pour Pedri. L'équipe fonctionne bien et c'est cool. En tout cas les amis, j'espère vraiment que vous avez kiffé ce petit épisode de la carrière avec le FC Barcelone. Si t'as kiffé, n'hésite pas à lâcher le petit pouce bleu, l'abonnement, ça me ferait hyper plaisir. C'était CK, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo et bientôt pour le match face au Real. C'était CK, peace!